Certainement, on ne peut plus continuer à ignorer les 600 000 et plus personnes qui sont sous les camps. Donc, il faut que rapidement nous mettions sur ces interventions qui bah, nous seront soulagement. Le gain d'appui, le gain d'inondation, le gain d'intempérie, le fait chaud. Moi, fait expérience dans notre jour, nous visitons autant. Le midi en battant de ça, je trouve que son circonstance, que faut nous adresser le plus rapidement que possible. Et le président est conscient. Il était déjà avec une équipe d'ailleurs qui a travaillé sur lui. Donc, même nous parlons comme moins de caractère. Mais bon bah qui pour soutenir tout effort ça c'est que faut créer emploi. Faut créer emploi au niveau urbain, au niveau rural. Avec dit que faut voir comment on va relancer production et assurer une qualité au travail qui source de création de richesse. Donc ça c'est une voie de travail sur. Même on prend une question éducation, je nous connais déjà sentiment président et même sentiment tout haïtien sur question ça d'ailleurs son fondement constitution nous connaît que faut tout haïtien à l'école et faut à l'école gratis donc ça sont. Donc en plus des 5 du président de la République moi, je crois que nous avons un focus nous parlons en termes de d'échéancier, c'est assurer que nous avons l'État, un gouvernement qui fonctionnel. Parce que si nous n'avons pas un gouvernement qui fonctionnel, la paix est difficile pour appliquer, pour mettre en œuvre activité, action pour planifier. Deuxièmement, créer le consensus sur ce qu'on veut accomplir ensemble. Troisièmement, rassembler les gens autour de ces idéaux. Quatrièmement, mettre en place des interventions ciblées sur les secteurs clés qui ont été identifiés dans le cadre de la vision du président. Et quatrièmement, réfléchir sur une vision encore plus large de ce qu'Haïti capable sous 20-25 ans et galvaniser les énergies autour de vision ça. Donc, moi, c'est que si nous arrivons à faire tout ça ensemble très vite, très très vite, la population a commencé à voir des changements significatifs dans la ville. Une autre question qui fait débat dans la société, c'est la CIRH. On est après approbation et dans ces politiques générales, d'office, co-président de cette commission, comment on comptait aborder des questions ça et est-ce que ou est remaniement, comment. Un objectif que nous-mêmes nous battons très rapidement, c'est de nous assurer par des mesures concrètes qu'une plus grande partie de l'assistance externe vient renforcer la capacité de l'État et ça va être des résultats concrets et nous avons plusieurs mesures nous prendre en ce sens. Donc, la réponse courte pour la CIRH, je crois que c'est une plateforme de conseil d'administration qui est utile pour que l'haïtien capable de négocier avec les partenaires un grand monde. Parce que une base, une fondement CIRH, c'est que c'est le gouvernement qui dicte le ton. C'est le gouvernement qui fixe les priorités, c'est le gouvernement qui établit les règles du jeu, c'est la partie haïtienne qui définit où le pays veut aller. Et ensuite, il y a un dialogue franc avec les partenaires internationaux sur comment s'organiser pour qu'effectivement on puisse fonctionner de manière efficace.